Loïc démarre sa formation. Il était un peu sceptique et c'est normal. Et un mois après, il a son premier cas agressivité. Et je suis exactement les étapes que tu enseignes pour traiter et suivre la thérapie comportementale pour traiter l'agressivité. Vincent, en une seule séance, le chien a arrêté d'être agressif. Hey, salut les Educ Doggers, bienvenue au Centre Canin et c'est ici que depuis 2015, eh bien, je suis devenu formateur, éducateur comportementaliste canin. Et il faut savoir que je formais des passionnés de chiens à devenir éducateur comportementaliste canin pendant 2 mois de formation ici au centre en continu. Et sauf que malheureusement, j'ai réalisé plein d'inconvénients à ces 2 mois de formation en immersion ici au centre. La première des choses, c'est que j'ai réalisé que la majorité de ces personnes, c'était des personnes qui ne savaient pas quoi faire de leur vie et qui venaient ici uniquement pour quelle raison? Parce que Pôle emploi leur finançait et donc ils venaient faire mumu. C'est-à-dire que moi, je me suis retrouvé pendant 2 mois avec des gens qui ne voulaient pas vraiment devenir éducateur comportementaliste canin, qui ne voulaient pas vraiment faire un métier. Sauf que si je suis devenu éducateur et si je suis devenu formateur, c'est pour retransmettre ma méthode, la méthode EducDog, à des passionnés et surtout à des gens qui veulent en faire un métier, qui veulent exercer pour que eux aussi, à leur tour, puissent aider dans leur ville et dans leur région, eh bien, les propriétaires de chiens et également sauver les chiens de l'euthanasie et de l'abandon. Deuxièmement, là où j'ai halluciné, c'est que même après des semaines et des semaines et des semaines de formation ici, en immersion, puisque c'était 8 semaines de stage en continu pendant 2 mois, des personnes qui étaient venues ici pendant des semaines, arrivées à la fin de la formation, n'étaient toujours pas capables de pratiquer et n'osaient toujours pas, et étaient toujours dans le stress, paniquaient toujours. Pour quelle raison? Parce qu'ils ne voulaient pas vraiment faire un métier et ils n'osaient pas passer le pas. Et ce n'est pas parce que tu vas pratiquer pendant des mois, il y a des centres de formation où les centres de formation, c'est uniquement à pratiquer, à regarder le formateur. Sauf que oui, tu dois voir le formateur pratiquer, mais tu dois aussi pratiquer et toucher du chien. Deuxièmement, il y a aussi d'autres centres de formation où beaucoup d'entre eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aussi te former sur les autres stagiaires, sauf que tu dois te former sur des vrais cas, des cas concrets, des propriétaires de chiens qui ont des problèmes. Et c'est pour ça que, un, j'avais des personnes qui n'étaient pas du tout motivées. Deuxièmement, ces personnes, même avec toute la pratique du monde, toute la pédagogie, tous les chiens, tous les cas, des cours individuels, collectifs, agressivité, comportement, éducation, garderie, balade éducative, j'avais des gens qui pratiquaient toujours pas et j'étais là, mais comment ça se fait en fait? Si je veux former des éducateurs comportementalistes canins à la méthode EducDog, c'est pour qu'ils créent leur boîte, c'est pour qu'eux aussi exercent la profession, c'est pour qu'eux aussi sauvent des chiens. Et c'est pour ça qu'en 2019, j'ai pris la décision de fermer la formation en présentiel ici pendant 2 mois. Et c'est là où j'ai commencé à réfléchir, mais je me dis, attends. En plus, j'ai une autre problématique, c'est que j'ai des milliers de personnes qui veulent que je les forme, mais il n'y a plus personne aujourd'hui, en 2022, qui peut venir pendant 2 mois abandonner sa femme, sa famille, ses enfants, son métier pendant 2 mois pour venir en stage. On est d'accord? C'est pas possible. Donc comment faire pour que je puisse leur retranscrire exactement ma méthode, tout ce que j'enseigne ici, mais surtout qu'ils puissent pratiquer directement depuis chez eux? Et c'est là où je me suis dit, la méthode, ça fait depuis 2015 que je l'enseigne et que je forme, donc je sais comment enseigner la théorie. Et maintenant, comment est-ce que je vais faire pour qu'ils puissent pratiquer à leur tour, même avec une formation digitale et en ligne, puisque si tu veux devenir éducateur canin, tu dois pratiquer. Sauf que pour pratiquer, il te faut des chiens. Et il te faut un maximum de chiens, de chiens et de chiens et de chiens différents. À l'époque, pendant ces 2 mois, la première des choses que j'en renseignais, c'était de faire des études de comportement, des EDC. Et sauf que pour faire des études de comportement, faut des propriétaires de chiens avec des vrais chiens. Et donc, j'ai créé un système en plusieurs étapes qui s'appelle le process des clients gratuits, afin que dès que quelqu'un rejoint notre formation, il peut immédiatement trouver ce qu'on appelle des clients gratuits, c'est-à-dire des propriétaires de chiens qu'il va aider gratuitement, et en contrepartie, lui se fait la main et il forme. Et c'est là où ça fait maintenant, depuis 2020, qu'EducDog Pro existe, ma formation pour devenir éducateur comportementaliste canin formé à la méthode EducDog, et c'est plus de 800 personnes dans à peu près 25 pays sur le globe qui aujourd'hui sont devenus éducateurs comportementalistes canins formés à la méthode EducDog et pratiquent. Et tout ça sans être venus pratiquer ici.
grâce à ce process de client gratuit où ils pratiquent sur des dizaines et des dizaines et des dizaines de chiens tout ce qu'ils apprennent dans la formation. Ensuite, nous, on les coach pendant 12 mois puisque le plus important dans une formation éducateur canin ou comportementaliste canin, retiens bien, c'est pas ce qui se passe pendant ta formation, c'est ce qui se passe après. Est-ce qu'après ta formation, tu passes à l'action? Est-ce qu'après ta formation, tu vas trouver des clients? Est-ce qu'après ta formation, tu crées ta boîte? Est-ce qu'après ta formation, tu animes des séances? Tu fais des cours collectifs, des balades éducatives? C'est là où c'est absolument hallucinant, car ils pratiquent, ils pratiquent, ils pratiquent. Et c'est comme ça que depuis 2020, je forme des personnes un peu partout sur le globe à aider les chiens, à aider les propriétaires de chiens. Et je crois fermement qu'on doit pratiquer, 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 pratiquer pour devenir éducateur canin. Et c'est pour ça que j'ai créé ce process de client gratuit. Si toi aussi, tu veux savoir comment devenir éducateur canin formé à la méthode EducDog, eh bien, je t'invite dès maintenant à t'inscrire à mon webinaire 100% gratuit sous cette vidéo. Et sache que j'étais comme toi au début. Je n'avais pas d'expérience avec les chiens. Je ne savais même pas ce que c'était qu'une entreprise. Sache que tu n'as absolument pas besoin d'avoir un centre canin pour exercer la profession. Tu peux commencer directement à domicile, c'est-à-dire que tu vas directement chez les clients, au domicile des clients. Et c'est comme ça que j'ai pu, grâce à mes années d'expérience depuis 2015 en tant que formateur, réussir à faire une formation digitale en ligne pour le métier d'éducateur comportementaliste canin. C'est fou puisque je ne pensais pas que c'était possible concrètement que quelqu'un puisse devenir éducateur canin en ligne et comportementaliste canin. Sauf que la formation EducDog Pro m'a prouvé le contraire et tous les élèves, et je me rappelle même d'un des premiers élèves qui a rejoint la formation qui s'appelait Loïc. Et on était au téléphone puisqu'on fait un appel pour qualifier chacun des élèves ou des personnes qui veulent rentrer dans la formation puisqu'on veut que des personnes qui ont un projet et qui veulent en faire un métier, qui veulent se lancer, qui veulent exercer. On veut des personnes ultra motivées, prêtes à investir sur elles-mêmes, puisque c'est une formation professionnelle où on t'apprend un métier. Et je me rappelle que Loïc était là, Vincent, j'hésite. Est-ce que vraiment ça va marcher alors que c'est une formation en ligne? Et je lui réponds, écoute-moi Loïc, ça fait depuis 2015 que j'enseigne la méthode EducDog. La méthode EducDog, ça fait depuis 2010 que j'ai commencé à la créer, que j'ai testé ça sur des milliers de chiens. La méthode EducDog fonctionne. Maintenant, tu n'as qu'à l'apprendre et tu l'appliques et tu vas halluciner. Et Loïc démarre sa formation. Il était un peu sceptique et c'est normal. Et un mois après, il a son premier cas agressivité. C'est un border collie de 5 ans. Il a déjà mordu plusieurs fois l'humain. Et le propriétaire de chien commence à avoir peur de son chien et veut l'abandonner puisque le vétérinaire lui a dit « Écoutez, il n'y a aucune solution. Il faut que vous débarrassiez de ce chien. » Et il faut savoir que ces personnes avaient déjà fait appel à un éducateur canin pour 10 séances. Mais le chien continuait d'agresser. Il faut savoir que quand je suis arrivé voir le maître pour ma première séance, ils avaient effectivement déjà vu des éducateurs avant. Ils avaient aussi vu un vétérinaire qui a préconisé une possible euthanasie parce que ils en sont arrivés au fait que cette chienne est dangereuse et agressive avec l'humain. Voilà, donc pour moi c'était très important parce qu'ils étaient prêts à l'abandonner. C'était important pour moi de réussir cette mission, qui était une des premières. Première séance de comportement, donc on a provoqué le comportement pour qu'elle agresse. Et je vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas avec des exercices à force de psychologie canine, de l'exercice de comportement, de renforcement positif, on a réussi très rapidement, en une semaine, à calmer cette chienne, qui aujourd'hui, finalement, est devenue une chienne tout à fait normale, tout à fait obéissante, docile. Et ça, c'est vraiment magique. Donc, je vais vous partager ce cas-là pour vous motiver, parce que pour vous dire que c'est possible, même un chien qui a déjà mordu à 3 reprises des humains, 5 ans, c'est possible de la recadrer en douceur, dans son respect. Et moi, c'est une belle réussite. Du coup, aujourd'hui, ils ont gardé la chienne. Ils sont très heureux. Et voilà. Donc maintenant, à vous de jouer. Alors naturellement, ensuite, il y a un suivi. On continue les séances. Et c'est comme ça qu'avec Loïc, je me suis dit, mais c'est parti en fait. Maintenant, n'importe qui peut le devenir. Et aujourd'hui, c'est plus de 800 passionnés qui étaient comme toi, qui ont rejoint l'aventure EducDog Pro et qui tous les jours s'éclatent à avoir pris leur passion et en faire un métier et vivent de leur métier d'éducateur comportementaliste canin formé à la méthode EducDog. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Voilà un petit peu pour l'histoire du centre ici, du centre de formation aussi EducDog.
Et c'est un plaisir aussi d'accueillir mes élèves pour ceux qui veulent pratiquer en 3 semaines de stage pratique qui sont répartis sur l'année. C'est 1 semaine, puis après quelques mois, après une autre semaine, puisque c'est très dur aujourd'hui pour tout le monde de se bloquer 3 semaines d'affilée. Bah, il faut prendre ses congés, il faut abandonner sa famille, c'est cher en déplacement, en logement, ainsi de suite. Alors qu'une semaine, eh bien, c'est beaucoup plus simple pour tout le monde. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu veux, toi aussi, peut-être rejoindre EducDog Pro, je t'invite à participer à mon webinaire 100% gratuit. Et on ne l'oublie pas, EducDog, l'éduquer c'est... Let me...